C'est toute une fonction en deuil, décédée jeudi dernier après avoir été blessée lors de la fusillade de Vitrolles fin novembre. Éric Lalès a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République. Ses obsèques, comme vous pouvez le voir, ont eu lieu tout à l'heure vers 15h à l'hôtel de police de Marseille en présence de Claude Guéant. Un hommage déjà rendu ce matin à Aix-en-Provence où, comme partout en France, des centaines de policiers se sont recueillis 10 minutes en silence devant les commissariats. Les témoignages au micro de Michael Flores. On est tous venus dire au revoir à un copain, un honnête homme, assassiné par des ordures qu'on a interpellé 40-50 fois, qui sont encore dehors à l'heure qu'il est. Et voilà, il y a des prédateurs sexuels dans la société, il y a des prédateurs tout court. Et cela, il faut trouver une solution pour plus qu'ils nuisent aux personnes, aux citoyens. On a l'impression de tourner en rond, je vous dis, de toujours interpeller les mêmes personnes, de les recroiser peu de temps après, et on constate leur montée en puissance. Voilà. C'est des petits larcins qui progressent petit à petit, et ensuite on les retrouve armés et on arrive à des drames comme celui de la semaine dernière où Éric a perdu la vie.